Eh bien, salut tout le monde, c'est Eric, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, 19e épisode déjà de Golf War. On était devant cette espèce de monstre-là, qui va sûrement nous en faire baver. Tiens, je me disais, ça ressemble à des doigts, ça, non? Bon, dites pas que ça va être un géant, là, je sais pas quoi. C'est une créature dangereuse. On va s'en occuper à deux. On va s'en occuper à deux. Concentre-toi, Atreus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, d'accord. Écoute, mon pote, j'ai peut-être pas le temps de te... Bon, en fait, c'est une grosse merde. Allez, on va voir comment elle finir. C'est hard! C'est hard! Il lui a ouvert la mâchoire jusqu'au... Boom, bitch! Oh là là, je kiffe. Boum, biatch. C'est bon. Regardez ce finish, les gars. Comment il est track. Regardez comment il est trash. C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! C'est bien, bien dégueulasse. Ça fait plaisir. On retrouve bien le. Oui. Un très très grand burin. Mais c'est bien des ongles, hein, les gars. C'est un doigt. Hein. Ce sont des doigts. C'est scellé avec de la magie, je le crains. D'accord. Donc là, il nous a donné la réponse. Il faut qu'on mette le cristal à retrouver sa force. Donc là, on peut pas. Ah! Je crois qu'on a pété le truc carrément. D'accord. Est-ce que. Ah! D'accord. Qu'est-ce que ça fait si on tourne de ce côté-là? Pas du tout. Ah d'accord, donc c'est pour péter. D'accord. Compris. Bon, du coup, on va d'abord péter ce côté-là parce qu'il y a un coffre. Vous savez, hein, l'appel du loot. Comme d'hab. Voilà. Hop. Oh, bien joué, petit. C'est son idée. Ah, il est sympa, ça, Trux, quand même. Acier massif, alors l'acier massif, nous il nous faut de l'acier trempé pour augmenter l'arc d'Atreus. C'est ça qui nous intéresse, nous. Qu'est-il arrivé aux survivants? Ah, Tamur était un géant de glace. Quand il est mort, son dernier souffle a tout gelé. Ah, donc c'est lui le géant. Ah, c'est lui qui a les grands ongles. Ah oui, mais il était effectivement immensissime. Moi, je m'attendais à un géant. Un mec un peu balèze, quoi. Genre comme un peu les boss qu'on combat. Mais bon. Il va nous falloir quelque chose pour rentrer. Là, quand même, là, c'est pur que géant. Là c'est. Non, là, c'est géant, géant, géant. Là, c'est. C'est colossal, colossal. Ah oui, on est. Mais on est. On est. Sous le géant là, sous sa main. Eh oui. Quoi? Pourquoi pas un peu de thune? Ok, on est vraiment sous la main du géant. Parfait. Allez, un petit coffre. Ça fait plaisir. On dit jamais non à un petit coffre.
Une amélioration du torse, sûrement un truc mieux que ce qu'on a. Oui, ah oh bah oui. Ah, c'est pas aussi stylé que ce qu'on avait quand même, je trouve, mais oui, bah oui. Alors, par contre, la récupération qui est un peu violente, la perte là. Mais oui, donc du coup, l'emplacement, du coup, ça on va récupérer. Retirer, voilà, hop. Et on va mettre ça. Peau de Wyrm. Ah! La fameuse sentinelle. Écoutez, bah, c'est plutôt pas mal. On a quand même eu une armure un petit peu plus élevée que ce qu'on avait. Et on a eu un acier massif. Alors c'est bien gentil, mais l'acier massif, mais on voudrait de l'acier trempé, nous. S'il vous plaît. Oh. Ah, Le c'est voilà. lui. Ah, oh Trouve oui, il la était pointe de ce immensissime, burin. d'accord. Il nous faut sa magie. La pointe de ce burin. C'est... Waouh. Tout est... J'attends tes ordres. Il est immense. C'est lui ce géant là qui a parcouru... Non mais attendez, n'importe quoi. Beaucoup trop grand pour parcourir quoi que ce soit. Sorry bro, sorry about that. Il est nul en plus. Enfin, mais sérieusement quoi. Voilà. Sauver le bonhomme. Sérieux lui? Ils sont quand même bien costauds ces cons. Putain. Ils sont balèzes! Ils sont balèzes! Je me demande quand est-ce qu'on va pouvoir améliorer notre hache au rang 5. Ah, coffre. Suis-moi, Atreus. Plein milieu. Qu'est-ce qu'on va récupérer là-dedans? Oh, encore des trucs, ça fait plaisir ça. Alors par contre là, du coup, on avait ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, mais j'ai peut-être l'impression que... On va mettre les trucs de niveau 4 quand même. On va quand même mettre les trucs de niveau 4. Et là, il y avait un emplacement. Ouais, bon, écoutez, c'est pas grave. Pas très grave hein. De toute façon, acier massif, encore de l'acier massif, de l'acier massif, pas d'acier trempé. Est-ce que ça serait un endroit spécifique qu'on trouve l'acier trempé? Peut-être. D'accord. Ok, donc. Ok. Est-ce qu'on pourrait casser quelque chose, c'est ça, avec bah déjà là, oui. Déjà là, ça c'est sûr. Boum. Ok. Ok. Donc ça c'est pour déverrouiller le coffre, je suppose. Ok, de la thune encore. Il y a encore. Ah d'accord, il y a un cristal. Écoutez, hop. Le cristal, le voilà. Ah bah. Qu'est-ce qui se passe? Par ces dons de la mer, nous rendons grâce à Njord. Ah oui, on raconte que Njord aurait calmé les vents et les eaux en faveur des pêcheurs. Depuis lors, il l'adore et le vénère ici. D'accord. Ok, si... Ouais. En haut, là, il y a un truc, hein, par contre, hein,
Il me faut savoir ce que c'est, il me le faut. Sinon je ne serai pas tranquille. Vous savez, moi j'ai la découverte aiguë. Si je ne sais pas, c'est ça ne peut pas aller. Allez, tu vas changer de flèche. Qu'est-ce que c'est? Prends le risque, mais... Quoi? Poussière de royaume? Fermez les brèches du royaume, 1 sur 18. D'accord. D'accord. Alors, la dernière fois que j'ai fait ça, rappelez-vous, c'était dans l'épisode 6, si je dis pas de conneries. On avait pris très très cher. Ah, d'accord. Il faut quoi? Ah, d'accord. Donc là... Ok, nickel. Et la prochaine, ça sera donc une... ok. Un triangle vers le haut. Ok, bon. Let's go, alors. Ah, il est là, le triangle vers le haut, du coup. Voilà, parfait. Parfait, ça. Du coup, c'est ouvert. On récupère ça. Je sais pas ce que c'est. L'argent. Fort bien. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Objet légendaire? What the fuck? On chope beaucoup d'objets légendaires ici, dis donc, décidément. C'est la fête. C'est la fête. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attaque de glace, attention! Boum! Vous avez dit c'était pété, ça. Je kiffe ce move là, il est trop trop fort. Enfin, il est stylé surtout, il est pas fort fort, mais. Ah, donc voilà la tête de l'autre là. Ah oui. D'accord. Comment on descend? On va tout casser. J'ai un plan. C'est vrai? N'aie pas l'air si surpris. Mon frère, je doute que même Thor, armé de Mjolnir, puisse traverser cette épaisseur de glace. Alors Thor est un idiot. Voilà qui promet du spectacle. Atreus. Je suis prêt. Ok, bon. Est-ce qu'on serait pas un peu habitué d'avoir du fight? On envoie tout, on envoie tout. Allez hop, toi. T'es mort. Et je crois qu'il faut vraiment courir avec longtemps avec lui en fait pour pouvoir lui faire le plus de dégâts possible. Boum! Ok. Quoi? Encore? Mais putain, vous en avez pas marre, les gars? Bon, écoutez, les gars. Déjà, on va lancer ça. Déjà. Boum. Ça commence. On va te faire une attaque chargée. Oh putain. Il y a du monde là, hein. Il y a du monde. Hein. Allez. Oh putain, toi tu vas nous aider, mon pote.
Toi, tu vas nous aider à taper les autres. D'accord, donc on peut pas faire deux finishers en même temps, d'accord. Ouais, okay. Oh là 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 là, c'est strat. Ah, 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 c'est pas propre, putain. Désolé, mon pote, t'es mort. Et toi, t'es mort aussi. On les arrache, hein. Je pense que c'est clair et net. On les soulève. Ce truc est trop fort, on est d'accord que ce truc est beaucoup trop fort en fait. Ça gèle tout. Pourquoi c'est interminable? Ils sont tous morts. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qu'on a looté encore? Acier massif, acier massif, ouais. C'est pas ça qu'on veut nous. C'est pas l'acier massif. Je sais pas si l'acier est trempé, il faut revenir en arrière. Parler à Sindri quoi, parce qu'il est encore là Sindri lui. C'est possible, il est partout ce type. Putain, les moustaches quoi. Impressionnant. Yo. Ce combat. Tiens, attrape. Oh, c'est ce qui s'appelle gâcher une pomme qui était parfaite. Par où es-tu passé? Il n'y a nulle part où se cacher ici. Ah, ça. C'est un petit tour que mon peuple maîtrise. Une façon de ne pas s'être vu. Tu peux devenir invisible? En fait, je peux entrer dans le monde qui se trouve entre les royaumes. Et comme ton esprit ne peut comprendre ce qu'il voit, il ne voit rien du tout. C'est comme ça que nous évitons d'avoir à utiliser les armes que nous créons. Mais ça ne marche pas sur les dragons, apparemment. Ton frère se demandait si tu mangeais suffisamment. J'imagine que je peux lui dire que oui. Brock a demandé comment j'allais. Est-ce que son haleine sentait l'hydromel? Tu l'as laissé toucher à ta hache. Allons voir ça. C'est pour ça que Brock était dans le temple juste après la baisse du niveau de l'eau. Il est passé entre les royaumes. Allez, silence maintenant. J'ai besoin du silence complet. Et voilà. Super intéressant. Marque des nains. Chaque fois, il me fait la même sornette, hein, sauf que. Protection du torse. Oh là, il y a des trucs. Oh là, ça commence à parler jaune là. Ça commence à parler jaune. Ah oui, 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 ça commence à parler jaune. D'accord, ça commence à parler épique. Ah oui, le bâton en braise. Ah bah oui, oui, non mais là oui. Bah oui, non mais bien sûr. C'est une attaque runique. Qui fait quoi? Ah oui. Ah ouais. Ouais, ça a l'air complètement pété, mais je crois qu'on n'a pas les moyens. Ah ouais, non mais là, ouais. C'est pas de notre niveau, tout ça. D'accord. Alors, il faut trouver le bon code, c'est ça? Il faut faire bon, quoi? Ce plan que tu as. Tu l'as deviné. Te connaissant, il ne doit pas s'agir de rester ici. Correct. Mais comment on va avancer? T'inquiète. Nous sommes Kratos. Oh. D'accord. Donc déjà on va dire ça. Ok, pourquoi pas. Donc il faut tout déverrouiller, c'est ça? Ah, il faut être rapide. Je vois. Et voilà! Attention! Mon atelier est juste là! Ouais, bah écoute. Pas les couilles, tout ton atelier. La moustache qui est. Voilà. La tresse. Et dites-vous que c'est des poils, ça, les gars. Voilà. Parfait. C'est ce que vous avez. C'est ce qu'on a. Oui.
Tu crois que c'est ce bras qui nous aidera à briser la glace et à attendre la pente du Buron? Non. Je continue à chercher. C'est Kratos. Est-ce qu'on serait pas au pied du marteau là? Du burin? Qu'est-ce qu'on a ici? Qui est ce mec? Quoi, faut se battre là? Qui c'est ce mec? Il fait mal hein? C'est un géant? C'est un géant? Oh non. Okay. D'accord, parfait. Il est en train de me mettre tempête, hein, les gars. Je vais pas faire genre le mec, mais. Ah non, alors là, par contre, les gars, non. Déjà, toi, tu dégages. Toi, tu me laisses pas vivre. Non. Alors, les petits qui lancent des boules de feu, non, les gars, par contre. J'ai pas de temps à perdre avec vous. Oh, merde, c'est pas ça que je voulais faire! C'est pas ça que je voulais faire en fait, putain, voilà, c'est ça que je veux faire, voilà. Putain, mais alors par contre pour esquiver les gars, c'est d'une... On s'en bat les couilles. Il est stratosphériquement puissant ce truc. Boum! D'accord, c'est fini. Il était violent, hein? Il y a du progrès. Il était violent. Oh, tu peux te pousser, s'il te plaît? Fragment de l'armure de vagabond. Ah, mais il déconne pas, lui, hein? C'est pas le petit vagabond, hein? Quoi? Qu'est-ce que ça fait? D'accord, bon. Mettons. Mickey, tu connaissais cet endroit? Avant? Oui, j'ai été envoyé ici en mission diplomatique. J'ai tenté d'amener Asgard et Vanaheim à négocier un accord de paix. Maudite guerre, tant de vies perdues. Ce que j'ignorais, c'est que Thor avait déjà entrepris d'exterminer les géants. D'accord. Absolument rien, petit. C'est là toute la tragédie de l'histoire. Ils n'ont jamais pris parti dans cette folie. Mais la paranoïa d'Odin n'a d'égal que la soif de sang de Thor. Donc là, il est bien sur le truc, ok. Qu'est-ce que... D'accord, c'est pour grimper. Oh, ok. C'était pour grimper. Ok. D'accord, peut-être que c'est comme ça alors. Peut-être qu'il faudrait qu'on avance ça alors. Stop! Allez. Oui, là du coup ça devrait aller. Voilà, ok. Bon, c'est juste pour ça, c'est sérieux? Qu'est-ce qu'on va récupérer là encore? Une attaque runique puissante, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui!
D'accord. Ça a l'air carrément vachement fort, ça. Par contre, 117 secondes, ouais. C'est long, là. Ah, c'est trop long. Bon, est-ce qu'on peut descendre, là, du coup? Du coup, il va falloir descendre de l'autre côté. Ok. On a récupéré le coffre, déjà. Ça, c'était plutôt une bonne chose. Ok, donc je croyais que c'était vraiment la suite, en fait, mais pas du tout. Pas du tout. C'était qu'un coffre. Bon, qu'on a bien fait de récupérer. C'est sûr. Ok. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a ici? Un autre triste. Et maintenant? Très bonne question. Peut-être qu'il faut faire d'un côté et de l'autre côté, non? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, d'accord. Donc effectivement, ça serait pour. Serait pour accéder à ce truc. S'il faudrait monter à ça. Ou alors le pousser, ouais, bah oui, le pousser. Le pousser et après tirer. Voilà. On va le refaire. Allez. Putain. Il tient à rien du tout le truc. On va peut-être pouvoir grimper dessus du coup. Eh bien, ce n'est pas un plan très discret. Maintenant, il faut libérer l'autre sangle. Vraiment? Alors, pour accéder au coffre déjà. Allez. Acier massif encore, mais non. Allez, on va grimper là-dessus. Let's go. Pourquoi on va en haut alors que ce qu'on cherche est tout en bas? Réfléchis. Eh bien, la pointe du burin est sous d'épaisses couches de glace qu'on ne peut pas faire fondre. Exact. Et il n'y avait pas de cristal d'éclat à proximité sur lequel j'aurais pu tirer, donc c'était pas une option. Exact. Le seul moyen est donc de transpercer la glace, mais il faudrait pour ça un objet incroyablement lourd et... Oh, ça y est, j'ai compris. Bien. Miracle. Qu'est-ce qu'on a là? C'était une solution. Ouais, en haut, j'ai quand même vu un truc à péter, donc je sais pas. Comment va-t-on tourner le Ok. marteau pour qu'il atterrisse près de la pointe du burin? Impossible. On va le libérer, descendre avec lui et aviser sur le moment de ce qu'on peut faire. Donc ton plan comporte une bonne part de chance. N'hésite pas à en proposer un meilleur. Eh oui. Il faut des fois savoir proposer de meilleures solutions. Et maintenant, Libérer la accroche-toi. sangle. What? Vous voyez, c'est ça des fois qui est buggé. C'est que si on le fait pas vraiment pile poil au millimètre près, certaines fois ça devient chiant quoi. Ce plan ne me dit rien qui va. Silence, tête. Saute. Et voilà. Tout va bien. Ça n'a pas marché. Il n'est tombé qu'un petit peu. Bon. Effectivement, ça n'a pas marché. Bon, écoutez les gens, je pense qu'on va s'arrêter ici. On est devant une porte. On va savoir au prochain épisode ce qu'on va avoir derrière cette porte. Si on va arriver à démolir ce putain de marteau.
Like, commentaire, partage comme d'habitude. Et puis tout simplement, portez-vous bien, on se retrouve au prochain épisode. Ciao.